Alors bonjour à vous, je suis Philippe. Alors nous sommes là pour la suite de l'enquête concernant les statues de Landowski, les statues érigées par Paul Landowski pour la commémoration de la deuxième bataille de la Marne. Nous sommes à la partie nuit, que nous sommes venus en plein jour faire une enquête. Et en fait, il y a eu quelques petits résultats concernant les chipolatas. Ils nous ont dit pisser et qu'une personne alcoolisée s'est vantée qu'il avait du champagne d'une grande marque. Je ne dirai pas le nom parce qu'elle est dans la partie jour. Et que ce n'était pas vrai. Les petits fantômes qui sont dans ce lieu et qui ont tout entendu ont complètement démenti ce que cette personne a dit. Un fait très important et très rare, vous allez me dire. Alors on va déambuler dans ce bel endroit. Nous allons marcher jusque là-bas. Voir s'ils ont quelque chose à nous dire. Alors je vais me mettre en position infrarouge, c'est-à-dire de nuit, parce que je n'ai pas apporté de lumière. Alors je fais la vidéo à l'arrache comme ça vite fait. Je n'ai rien préparé. Je passe devant, donc je me suis dit c'est bon, faisons la partie nuit. Pareil, il n'y a pas grand. J'ai que 25 minutes. Et j'espère avoir assez de batterie. Donc ouais, comme je disais, en plein jour ici, c'est un bel endroit. Bien propre. Et que des gens ont malheureusement tenté de dégrader en faisant un barbecue sur ces statues. Un chef-d'œuvre de construction, hein, il faut dire ce qu'il est, parce que c'est du granit. C'est pas quelque chose qui est facile à tailler. C'est un monument dédié à la guerre, aux soldats. Alors tous les 100 ans, il y a un feu d'artifice ici. Bon, c'est déjà passé. Tous les 100 ans, il y a la commémoration de la guerre, la bataille. Et le prochain feu d'artifice, alors on ne le verra pas. Ça sera dans 100 ans. Donc ici, il y a des animaux le soir, il y a des lapins. Beaucoup de lapins. Donc, s'il y a des bruits, par conséquent, on a intérêt de se méfier que ce ne soit pas des lapins ou des rats, des souris, des oiseaux. Y a des chauves-souris aussi. Évidemment, c'est toujours à ce temps-là que l'on m'appelle. Et vous pouvez aller où vous voulez, on vous appelle quoi. Ah, c'est comme ça, c'est les enquêtes. C'est comme ça. Il n'y a rien de prévu, c'est à l'arrache. Il n'y a aucun trafic. Vous avez les images brutes. Alors ce soir, nous sommes deux. Moi et ma compagne Stéphanie qui se trouve ici. Qui tient à la Ghost Box. Et il est 22 h. Et nous sommes mardi 30 juillet. Donc je ne suis pas venu le jour même, le soir même que j'ai tourné la partie jour. Vous le verrez avec la date sur ma vidéo. Parce qu'il y a théoriquement, il y a la date et l'heure. Ils ne correspondront pas parce que je ne pouvais pas venir. Du coup, je suis revenu aujourd'hui, comme je pouvais. Il commence à faire nuit, on va mettre en position infrarouge pour que vous puissiez voir clair. Sinon, vous verrez rien. Alors, il y a de la pente, hein. C'est à 45 degrés. Alors, pour celui qui aime bien la pente, il serre les jambes, c'est très bien. Ça fait du bien.
Ça fait fondre. Toi, t'en as besoin. Voilà, moi aussi j'en ai besoin. On va s'arrêter ici. Tu vas poser la ghost box là. Pose. Voilà, pose le matériel là. Je n'ai pas beaucoup de batterie. C'est que 13%. Alors bonsoir à vous. Vous souvenez de moi, je suis Philippe, je suis venu en plein jour. Je suis venu vous voir et pour en savoir plus sur la personne qui avait fait le barbecue improvisé. Oui, c'est astucieux. C'est astucieux. Est-ce que vous pouvez parler plus fort dans l'appareil, s'il vous plaît? Pouvez parler plus fort? Que je puisse vous entendre? Oui, actionnaire. Là, il y a un bruit. C'est vous qui êtes ici? Si c'est vous, refaites du bruit. Sexuel? Il y en a qui ont fait ça? Il y en a qui ont fait du sexe ici? Israélienne. Ah. Ah, vous attendez? Vous attendez pour faire du sexe? D'accord. C'est très drôle. Et qu'est-ce que vous attendiez d'autre? Revendication. Allez-y, dites-moi vos revendications. Vous pouvez tout me dire. Vous vous souvenez, je suis Philippe. Vous pouvez tout me dire à moi. Alors, qui c'est qui a fait le barbecue sur les statues en haut? Qui a fait du feu? Vous l'avez vu? Vous avez vu la personne, le coupable? Vous les coupables? Vous les avez bien vus? Le jour quand je suis venu, vous m'avez dit chipolata. Ensuite, ils ont pissé. Donc, vous avez dit pissé. Hein? Je conclue qu'ils ont pissé. Et après, champagne. Le champagne d'un nom bien spécifique, vous m'avez dit. Oui, je m'en souviens. Parier? Ouais, ils ont parié. Oui. Ah bon? Ben, vous devez pas avoir froid si vous êtes le feu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Pourquoi vous dites vous êtes le feu? Quatre toilettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bon? Il rabiboche? Oui. Et moi, j'estime aussi beaucoup de gens. Des gens de valeur, de confiance. Quand vous dites allez, est-ce que vous voulez que je m'en aille? Ou est-ce que vous laissez tomber en fait? Ça veut dire quoi pour vous?
Oratoire. Hein. Ah, faut pas vous déranger. Je vous dérangerai pas plus longtemps. Je viens juste faire une petite vidéo. Et après, je m'en vais. C'est promis. Je fais ma petite vidéo. Vietnam. Ah, vous avez fait la guerre du Vietnam. Ah. Ah, bravo à vous. Hein? De temps en temps, je repasserai faire une petite session d'Ovidus pour voir si vous allez bien, si vous êtes toujours là. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est parti. Donc, on va faire une séance de Spirit Box tout de suite pour voir s'ils peuvent communiquer mieux dans la Spirit Box. J'ai entendu qu'il a dit ne pas déranger. Donc, nous n'allons pas les déranger. On va faire une petite séance de Spirit Box et nous allons nous tirer. Si la Spirit Box veut bien s'enclencher. Oh. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Oui, mon téléphone est éclaté aussi. Donc voilà, c'est comme ça, hein. C'est parti. La Spirit Box. Oui. Bonsoir. T'appelles David? T'appelles David? David comment? Je t'ai entendu. Oui, je t'ai entendu. Bonsoir à toi. Moi, je suis Philippe. Je suis venu discuter avec toi. Bah, si tu m'en donnes l'occasion. Tu vas bien, David? Est-ce que tu vas bien? T'as bien entendu, oui. Qu'est-ce qui t'est arrivé, David? Pourquoi tu es là? Est-ce que tu as quelque chose de précis à dire sur les personnes qui ont fait le barbecue sur les pierres? C'est qui a fait ça? C'était un homme ou c'était une femme? Une femme? Est-ce que vous avez entendu son prénom? Juste son prénom, pour voir. Comment qu'elle s'appelle? Elle était accompagnée avec quelqu'un ou pas? Il a dit quoi? Oui, elle est accompagnée avec plusieurs garçons ou juste un? En gros, il y avait combien de personnes? David, je t'écoute. Ils étaient quatre? D'accord. Et est-ce que tu as entendu leur prénom ou pas? Est-ce que vous avez vu la voiture? Quelle voiture ils avaient? La voiture était quelle couleur, en fait?
Bleu, rouge, verte, jaune. Oui. Elle était grise. D'accord. Et vous savez pas la marque, à tout hasard. Quelle marque elle était? Non, vous savez pas? Merci madame d'avoir répondu. Et en fait, ils ont fait du bruit et ils vous ont dérangé, en gros. Minable? C'est des minables? Ce sont des minables? Qu'est-ce qu'il y a comme dit? Ah mais vous inquiétez pas, je fais une petite vidéo, après je m'en vais. Merci en tout cas David pour les renseignements. Je disais merci. Merci David pour les petits renseignements. Ça prouve que vous êtes là, que vous êtes conscient. Et que vous avez tout vu. Comme vous dites, ça ne se fait pas. C'est pas bien de saccager les monuments comme ça. C'est pas bien. Bon, moi je vais vous laisser tranquille. Ok? Nous allons nous diriger direction la sortie. Voulez que j'éteigne la spirit box? Oui? Qu'est-ce que t'as dit, David? J'ai pas tout compris. Oui. En tout cas, merci pour les petits renseignements. Ça fait plaisir. Dorian, il a dit. Tu tournes l'enceinte Bluetooth vers moi. Merci. En tout cas, c'était sympa de causer avec vous, d'avoir une petite conversation. Ça me fait plaisir. Ça vous a fait plaisir que je vienne discuter avec vous? Qu'on vienne? C'est chaud quand même. Alors, pour en revenir, pour faire le point, ils nous ont dit qu'ils ont bien vu quelqu'un faire du feu sur les statues, un barbecue. Ensuite, la personne s'est vantée. Après, ils ont fait un pari. Sûrement qu'ils étaient capables de le faire. Ouais, tu confirmes. Après, il y avait une femme. La principale coupable, c'était une femme. C'est sûrement elle qui allumait le barbecue en premier. Ok. Oui? T'as dit oui? Ma chérie, tourne bien le truc vers moi. Parce que en fait, j'entends pas. Donc, la femme a la. Ah, comment? La femme, c'est la principale coupable qui a allumé le barbecue. Le feu. Et ils sont venus dans une voiture grise. Ok. Tout ça retranscrit par nos petits fantômes. Donc, eux, les petits fantômes, ne sont pas menteurs. C'est dommage qu'ils n'ont pas vu l'immatriculation. Sinon, on pouvait savoir c'était qui le coupable. Ah oui. On aurait pu savoir c'était qui le coupable. Si vous vous rappeliez de l'immatriculation. Mais bon, je comprends que vous n'êtes pas des balances. Et que vous voulez être en paix et tranquille. Sinon, les personnes concernées vont venir se venger. Obligatoirement.
Donc ce n'est pas grave, on va en rester là sur cette petite enquête pleine de surprises, pleine de petits renseignements. Et pour celui qui ne croit pas, l'affaire du feu sur les pierres est officielle. Je n'invente rien. Ok. Donc voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir communiqué. Nous, nous allons partir. On va vous laisser. Alors surtout, ne nous suivez pas. Restez ici. C'est chez vous. Et personne n'ira vous faire du mal. Parce que personne ne croit en votre existence. Bien sûr. Donc vous ne risquez rien. Et de toute façon, étant donné que vous êtes des fantômes, donc personne ne peut vous faire du mal. N'ayez pas à avoir peur. Après, qu'est-ce qu'il reste à dire? Bah, pas grand-chose. Petite enquête sympathique. Et voilà. Je ne pensais pas qu'ils auraient donné autant de détails. Est-ce que vous voulez que j'éteigne la Spirit Box? Voulez que j'éteigne l'enceinte Bluetooth? Oui, complètement. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a dit. Il me semble que j'ai entendu complètement. Donc voilà. Alors merci à vous. Au revoir. Et à la prochaine. Et si vous voyez des choses, n'hésitez pas à enregistrer ce que vous voyez. Et je reviendrai de temps en temps vous discuter avec vous. D'accord? Oui, on fait comme ça? Bon, David, on te laisse. À la prochaine, merci. Et sois prudent surtout. Prenez soin de vous. C'est le principal. Vous qui regardez mes vidéos, qui me suivez, je vous dis aussi à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Et je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne, de suivre mes vidéos. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Profitez-en et activez la clochette pour avoir les nouvelles vidéos qui s'enclenchent, les notifications, tout ce qui s'ensuit, quoi. Vous verrez bien. Et je vous réserve d'autres enquêtes pleines de surprises. En tout cas, je vous remercie, je vous fais un million de bisous. Et restez prudents, pensez à vous. Bye bye. Ciao.